Так, ну просто в мене його немає зараз, але я вам можу його скинути там завтра, наприклад. А, окей. А що мені треба зробити? А, не знаю, написати десь ваш імейл або щось, або знайти мене в Телеграмі. А ви французькою не розмовляєте? Пишу, ні. Бля, тому що я вчила її 10 років тому, і я... Ну, ми обирали між тим, щоб англійською або українською з перекладом, або французькою. It's in French. Yeah, it's in French. They don't know how to decide which language is gonna be, but they come in French. Okay. Yeah, because we need to start. Girls ask me. They want to in it with Ukraine. Ukrainian. Yeah, because we have some students from Ukraine that study in the art school. Uh-huh. Okay. But we'll send you. I don't speak Ukrainian. Mm-hmm. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus. Ce soir, au Jeudi du Moko, en partenariat avec le Midi Libre, on est heureux d'accueillir Daria Koltsova. Son œuvre Theory of Protection est actuellement visible au Moko dans le cadre de l'exposition Musée en exil. Artiste ukrainienne qui fait des installations, performances et vidéos personnelles et politiques, sa conférence aujourd'hui retracera 10 ans de l'histoire de son pays natal, donc 9 ans de guerre et 1 an de préparation de guerre, à travers 10 de ses projets artistiques. Après sa conférence, il y aura un petit temps d'échange où elle pourra répondre à vos questions éventuelles. Merci pour votre écoute. Je vais maintenant passer la parole à Daria. Bonne soirée. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Merci. C'est un grand honneur et une grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui. Et je vais faire la magie comme ça. Oui, et d'avoir l'occasion de vous parler de moi-même, de ma pratique et de l'histoire de mon pays. Courage et fort. À l'époque, quand j'étais à l'école, j'apprenais le français, mais c'était il y a déjà longtemps. Après les longues discussions avec les organisateurs, nous avons décidé de ne perdre le temps précieux pour les traductions. Alors aujourd'hui, je fais une conférence en français pour la première fois. Et je vous demande donc de m'excuser par avance pour d'éventuelles rugosités. Et alors pour lire. Je ne peux pas vous parler de tous mes projets. J'en ai donc sélectionné quelques-uns qui ne sont pas forcément les plus significatifs, mais racontent l'histoire de mes 9 ans dans la demande de l'art qui ont coïncidé avec 9 ans de la guerre dans mon pays. J'ai choisi des projets qui montreront comment la guerre et l'art se mêlent dans ma vie, comment l'art m'aide à raconter des histoires et traverser des événements. Comment l'art peut aider à comprendre, exprimer, raconter, vivre, guérir et unir. Alors, je suis née à Kharkov, à Kharkiv, en mode ukrainien, en 19... Pardon. 1987. By the way, I'm sorry. Can you show me who speaks for, English as well? Aha, uh-huh. Not so bad. Thank you. Wonderful. Uh-huh. And who speaks Ukrainian? А хто розмовляє українською? О, героям слава. Вітаю. Merci. Alors, je peux m'aider en anglais. Alors, oui, je suis née à Kharkiv et c'est important pour moi parce que Kharkiv est situé à environ 40 km de la frontière avec la Russie. Alors, très proche. Et je suis née en 19...
merci. Et c'est important parce que c'était 3 ans avant que l'indépendance de l'Ukraine fût déclarée. La propagande et l'oppression de tout ce qui est ukrainien a toujours été très fort, à Kharkiv aussi. J'ai grandi dans une famille russophone. Dans notre immense bibliothèque personnelle, il y avait autant que 4 livres ukrainiens, donc j'ai découvert la présence de cette année seulement. Dans mon école française, la langue ukrainienne n'était enseignée qu'une heure et demie par semaine. Et pour français, c'était 10 heures à l'heure. Mais il y avait, par exemple, les études régionales en français. Et une fois, quand nous étions écoliers de 10 ans, on nous a proposé d'écrire un essai sur les grands Ukrainiens. À l'époque, quand il n'y avait pas ni l'Internet, ni Wikipédia, ce n'était pas une tâche facile, non. Nous ne savions pas où chercher de des informations, tout simplement. Nous avons littéralement creusé à peu près partout, tout en découvrant pour nous-mêmes les fragments de notre propre histoire. Nous avons écrit ça et avons apporté fièrement notre trésor. En conséquence, pendant 4-5 minutes, le professeur se moquait de nos essais. Elle croyait que la tâche elle-même était absurde, car à son avis, ce n'existait jamais les grands Ukrainiens. Tous les systèmes étaient saturés de propagande et d'endoctrinement. À l'école, j'ai littéralement pleuré sur le manuel d'histoire ukrainienne. Rédigé par le gouvernement moscovite, il est devenu un instrument de frustration. L'histoire ukrainienne a été déformée à une histoire de raté dont le message principal était « n'essayez même pas ». Je me souviens à quel point c'était douloureux de le lire. Et ce n'était que bien des années plus tard, à l'Académie des Arts, que je me suis plongée dans les archives, dans les mémoires, les témoignages oraux, les découvrant l'histoire de mon pays, la vraie histoire. Alors j'ai réalisé que moi-même, j'étais le résultat de l'endoctrinement, le résultat de la politique impériale. Je les ai crus pendant tant d'années. Pendant tant d'années, j'ai été inculquée d'amour pour ce qui est impérial et au moins d'une attitude condescendante envers tout ce qui est ukrainien. J'avais l'impression d'être utilisée, d'être manipulée contre ma volonté. Grandir sous l'influence de l'impérialisme dans un pays qu'on a tenté de détruire, c'est avoir plus de questions que de réponses. C'est remettre tout en question et apprécier beaucoup les histoires vraies et les histoires personnelles. Tout cela a eu un effort profond sur mon art. Je me suis demandé, que peut-on opposer à la machine de propagande impériale, à l'endoctrinement impérial le plus puissant, dont le mécanisme a été construit depuis plus d'un siècle. Et voici ma réponse. Ce doit être la vérité tranquille d'une histoire vraie. Souvent la mienne, racontée par la langue d'art. Mon trajet en tant que l'artiste a commencé en 2013. J'étudiais l'histoire et les théories de l'art, comme beaucoup de vous, ouais. Mais je ne me sentais toujours pas prête à commencer à créer l'art moi-même. Et puis, en 230, Maïdan a eu lieu. La révolution de la dignité. Je peux le voir ici. C'est un nom très précis pour la révolution que s'est déroulée en Ukraine. Et juste après, la stratégie avec les premières tuées est arrivée. Je n'avais pas de mots. J'ai ouvert la constitution. Alors, c'est la constitution ukrainienne, tout le texte de la constitution. Et alors, j'ai ouvert la constitution et j'ai commencé à y railler tout ce qui avait perdu son sens sous le régime de Yanukovych, le président de 2013. Mon première œuvre
porté sur le régime dans lequel nous avons vécu jusqu'à 2013. C'était similaire au système autoritaire dans lequel vivent les gens en Biélorussie et en Russie aujourd'hui. C'est pourquoi je sens que nous avons le droit de leur demander de sortir dans les rues, de leur demander de faire au moins quelque chose, d'avoir une position, d'avoir de la dignité. Cet ouvrage porte le nom « La démarcation du droit ». C'est la constitution de l'Ukraine dans laquelle sont barrés tous les articles, les droits et les libertés qui ont été systématiquement voilés et ont donc perdu leur force réelle. Il s'agit d'une visualisation claire de la différence entre le droit de jure et le droit de facto. C'est pourquoi la révolution de la dignité a eu lieu. Et puis, la guerre a commencé. Et ce n'était pas en 2022, non. Elle a commencé en 2040. L'Ukraine a perdu une partie de son territoire. Dans l'est de l'Ukraine, occupée par la Russie, les pseudo-républiques ont commencé à apparaître. Criminalisées, dangereuses, sauvages, pro-russes, cruelles. Beaucoup ont fui. Mes amis qui parlaient ukrainien ont exprimé leur opinion, pouvaient être amenés de leur maison, jetés en prison et battus pendant des semaines. Mon ami photographe est miraculeusement sorti d'une des prisons pareilles. Il était tout violé à cause des coups. Il a un sens de l'humeur incroyable et s'est donné un surnom aubergine. Il lui a fallu des mois pour se récupérer. Plusieurs ont tout simplement disparu. Dans l'art, il y a une expression, et j'adore cette expression, d'argot, raw artistique, que mes amis et moi utilisons parfois. Ce projet, service cérémonial pour le tsar de la République populaire, c'est l'euro artistique. J'ai ressenti un tel niveau de mépris et de dégoût que je n'ai pas pu m'empêcher de l'exprimer sur le sujet. J'ai lu des interviews de ces bandits qui ont pris le pouvoir et ils s'imagineraient être des tout-puissants. Et une autre expression d'argot. Eh bien, tu es tsar, comme eh bien, tu es empereur. Ça signifie la situation qui montre la supériorité. Je pensais que tous ces monarques historiques avaient leur service cérémonial. Vous pouvez les voir dans les musées. Ouais. Le plus souvent en porcelaine, avec des emblèmes reflétant des sens de règne du monarque. Et alors, j'ai créé l'installation Service cérémonial pour le tsar de la République populaire. Parce que ces formations criminelles séparatistes s'appelaient les Républiques populaires de Donetsk ou les Républiques populaires de Lugansk. Et ce n'est pas du tout pareil à la République qu'en français. Ouais. Un autre contexte, une parodie. Et voici une telle dystopie. L'esthétique carcérale, la forme des ustensiles est celle des ustensiles en aluminium typique pour les prisons. Vous pouvez voir aussi des portraits de participants du festin. Il y a trois personnages principaux ici. Le reste des visages sont indiqués. Car un être humain n'est pas de personnalité dans cette structure. Il ne peut pas se le permettre d'être personnel, d'avoir l'opinion. Ici, il y a un blason transformé de la Russie. Ici, dans les capes. Dessins et textes ont été créés avec mon partenaire de l'époque, l'artiste Roman Mikhailov. Il y a beaucoup de textes, comme par exemple « Putain, pourquoi nous tirons sur les nôtres ?» Alors, c'est leur faute, quoi.
C'est une vraie réplique de conversation, de commentaires, vidéo de commentaires. Ou par exemple, mise en prison, sortie de prison, mi-sortie, comme un cercle ensorcelé, etc. Le tsar a ses attributs. Vous pouvez les voir ici. Ces attributs du pouvoir, rappelant les instruments de torture. Ils pourraient bien être utilisés comme ça. L'esthétique sombre d'une réalité sombre. Et là, je ne pouvais rien y faire, mais je pouvais en parler à moi. Alors, la guerre a commencé. Je vivais déjà à Kiev à l'époque. À ce moment-là, la guerre n'est pas encore arrivée à Kiev avec les bombes. Elle est venue avec des réfugiés de l'est du pays qui fuyaient les bombardements. Ils ont apporté avec eux peu de choses et beaucoup d'histoires. Des histoires que je n'avais tout simplement pas droit de les laisser non racontées. J'ai appelé ce projet Palais des contes pas enfantins. Il s'agit d'un projet participatif auquel ont participé quelques dizaines d'enfants réfugiés et ceux qui sont restés dans le soi-disant gris zone. Le territoire de l'Ukraine qui bordait la ligne de front était périodiquement bombardé. Je ne voulais pas blesser les enfants avec des interrogations, alors je les ai invités à dessiner leur maison. Plus tard, j'ai fait augmenter la taille de dessin et les ai utilisés pour placer sur les façades qui racontent de l'histoire. Ici, vous verrez beaucoup de choses que les enfants ordinaires ne dessineront jamais. Car l'habitude, ça n'existe pas dans leur monde. Porte noire, sortie d'évasion, échelle à fuir, parce que presque tout le monde les a dessinés. Et ce dessin m'intéresse particulièrement. Nous avons tourné un documentaire sur le projet avec mes amis. Et là, je dessine avec des enfants. On parle entre nous. L'opérateur filme et soudain, je vois un garçon environ 7 ans qui dessine une telle façade. Il dessinait sur un petit morceau de papier. Je l'ai mis à l'échelle plus tard. Je regarde. Probablement une école. À grand croc, effrayant, sans porte. Assez caractéristique pour 7 ans. Apparemment, il n'aimait pas vraiment y aller. Et puis, il commence à remplir tout autour de ces lignes rouges très expressives. Elles ont particulièrement attiré mon attention. J'ai doucement demandé, comme par hasard, « Mais qu'est-ce que c'est ?» Et il m'a dit d'une voix très calme, « Eh bien, une fois, je suis allée à l'école. C'était le cours de maths. Et à ce moment-là, la lave est tombée du ciel. Et je comprends alors qu'elle a été sous le tir d'un lance-roquette nommé Grad. Mais il n'y avait pas un tel mot dans son vocabulaire à ce moment-là. Il n'y avait que le mot lave pour le nommer. J'ai été choquée par la façon dont les enfants interprètent la réalité dans le cadre de leur image du monde, de leur idée, de leur connaissance. Ces histoires simples et métaphoriques racontées par des enfants m'ont dit beaucoup plus que celles des adultes. Et ici, à l'intérieur, tout est rempli de dessins des enfants. Vous voyez la ligne rouge. En dessous se trouvent des dessins des enfants de la zone grise, qui jusqu'à le présent n'étaient pas complètement en sécurité. Tous les autres dessins étaient faits par les enfants qui habitaient dans une partie contrôlée par l'Ukraine. La psyché de l'enfant est flexible et se rétablit assez rapidement dans un environnement sécurisé. Mais on peut le voir, les dessins des enfants qui se trouvent près de la ligne de front n'ont tout simplement pas les possibilités de rétablir. J'ai également installé la télé à l'intérieur. Je voudrais montrer la vidéo dès le début, mais je ne savais pas où le poser. Alors ici.
Et les dessins des enfants m'ont suggéré cette drôle de décision. Beaucoup d'entre eux ont dessiné la télé à l'intérieur de leur maison. Et j'ai donc décidé de ne pas les contredire. Dans la vidéo, je demande aux enfants de me raconter leur histoire en temps d'un conte. Quelqu'un parle d'une famille de lapins qui cultivait et mangeait heureusement les carottes jusqu'à ce que les chasseurs n'arrivaient et ils doivent fuir. Quelqu'un parle d'une famille, un autre parle du globe qui tournait joyeusement puis s'arrêtait brusquement. Et une fille, environ 10 ans, a simplement et directement appelé l'histoire de sa vie en déménagement. Elle a dit, alors, si je dois parler de ma vie, le titre de ma vie, c'est un déménagement. Et pendant longtemps, elle a raconté d'une façon très énergique et très rapide comment elle se déplaçait avec sa famille d'une maison à une autre, en laissant et oubliant certains de ces choses et jouer dans chacun. Et c'est 2015. En 2015, j'ai été nominée. J'ai été nominée pour le prix principal en demande de l'art contemporain en Ukraine, Pinchuk Art Prize. Et j'ai eu l'opportunité de mettre en œuvre mon projet. À cette époque, beaucoup d'Ukrainiens étaient déjà en guerre et j'ai commencé à remarquer des craintes parmi les gens liées à une éventuelle militarisation de la société. À bien des égards, la propagande russe et de nombreuses intox dans la presse ont de nouvelles joué leur rôle. On parlait des gens armés qui rentreront après la guerre, du gouvernement militaire, du durcissement de la société. Il y avait beaucoup de ces peurs, il y avait beaucoup de questions, de doutes, et personne ne savait ce qui viendra en avenir. Une chose était claire pourtant, la réalité évoluait beaucoup. Pour moi, l'art donnait toujours l'occasion d'étudier la société, de la comprendre, de découvrir qui m'entoure. Et j'ai décidé de faire une recherche artistique. J'ai réalisé que parmi les nombreuses voix, celles des militaires et de leurs familles ne sont pas du tout représentées. Et pourtant, en discutant avec un grand nombre de volontaires, de psychologues et de médecins militaires, je savais que les militaires avaient quelque chose à dire. D'après mon expérience de la psychothérapie et des performances, j'ai réalisé la valeur de l'opportunité de prendre la parole, d'arrêter tout simplement de garder ces secrets terribles qui passent. Et les militaires en avaient beaucoup. C'était des gens qui menaient une vie ordinaire. Les civils, les hommes d'affaires, les artistes, les scientifiques, des musiciens, des enseignants, des agriculteurs, qui ont fait face à une guerre à laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. Ils ont fait face à l'horreur et à l'enfer. Ils gardaient trop en dedans. Parfois, ils avaient honte de parler de quelque chose. Dans l'autre cas, ils gardaient le silence pour ne pas blesser leurs proches ou pour ne pas être pénalisés. Même les psychologues ont dit qu'il leur était difficile de parler les militaires parler. Cela leur prenait trop de temps. Et puis, j'ai eu l'idée de ce projet. Il s'agit d'une salle avec 5 téléphones, 5 numéros opérateurs téléphoniques différents afin que les appels soient gratuits pour chacun. Dès qu'un appel arrive, le téléphone passe en mode e-parler et la voix est entendue dans toute la pièce. Il est impossible de répondre. Vous ne pouvez qu'écouter. Grâce à de nombreuses personnes, j'ai partagé l'information avec des numéros de téléphone et tous les détails du projet parmi les militaires et de leurs familles, parmi tout ce qui était à la ligne de front et ce qui les attendait à la maison.
Et j'ai proposé d'en parler de manière absolument anonyme, uniquement en mode direct. J'ai reçu 340 appels. Quelqu'un a parlé du fait que son frère et son mari étaient au front et qu'elle se battait dans les camps opposés et qu'il était absolument impossible de comprendre comment vivre avec ça. Un autre racontait comment il avait fui la Crimée en extrémie. Quelqu'un parlait de la trahison au front, de la mort, de la douleur. J'ai écouté chacune histoire, puis je l'ai supprimée. Pour chacune histoire, j'ai rempli une carte et je l'ai tamponnée comme écoutée. La carte contenait de courtes informations qui donnent aux spectateurs la possibilité de construire, d'inventer sa propre histoire. Qui a appelé, quand, combien de temps a duré l'appel, quel serait un mot-clé. Il y avait beaucoup de surprises dans ce projet pour moi, mais je ne pouvais pas prédire la plus importante. Comme personne ne savait quand, quand le prochain appel arrivait, les gens entraient dans la pièce et attendaient pendant longtemps. Parfois, il n'y avait aucun appel pendant une semaine ou deux semaines, puis trois en une journée. Beaucoup de visiteurs revenaient et attendaient, s'asseyaient par terre, lisaient, s'occupaient de leurs affaires, vivaient leur vie dans cette pièce pour entendre l'autre. À notre époque, où il est si difficile de s'écouter, où l'attention n'est pas retenue pour plus de deux minutes, où la plupart des gens sont obsédés par eux-mêmes, les gens consacraient leur temps à entendre l'autre. Ce fut pour moi un miracle de révalorisation d'une personne et de ses paroles, d'humanisation, de respect. Une fois, les militaires qui ont eu un quartier libre sont venus à l'exposition pour voir à quoi ça ressemblait. Nous nous sommes rencontrés. Tout le monde cherchait sa carte. Et ce fut aussi un miracle, car la plupart d'eux se trouvaient pour la première fois au centre de l'art contemporain. L'un d'eux, un grand sniper aux cheveux roux, d'apparence très remarquable, un vrai viking qui travaillait à l'époque dans une usine métallurgique, a réalisé son rêve d'enfant après démobilisation et est devenu acteur. Il n'avait pas de talent particulier, non. Mais il possédait un typage unique. Il m'a avoué qu'il aimait sa vie pareille. Et malheureusement, la guerre s'est déroulée et à nouvelle échelle, il est reparti défendre l'Ukraine. Alors, il aimait la terre aujourd'hui. En 2000, alors c'est un peu chaotique ici avec la présentation, mais pardon. Ouais. Alors c'est 2017, 2000. Ouais. Et j'ai reçu une invitation de la Société du Croix-Rouge pour participer à un concours d'installation. Chaque année, la Société de Croix-Rouge sélectionne un artiste avec qui elle éclaire le sujet le plus important. En telle année, le sujet était les familles des personnes portées disparues. En Ukraine, à cette époque, on dénombrait 500 personnes portées disparues dans la région de Donbass. La législation ukrainienne n'était pas préparé à une telle catastrophe. Il n'était pas clair comment rechercher les personnes dans les zones de guerre, dans les zones occupées. La vie des familles entières s'arrêtait et s'enlisait dans un enfer bureaucratique insupportable. Il était trop difficile d'obtenir un certificat pour une personne disparue.
La procédure n'a pas été encore composée. Et c'est la vidéo, je veux le montrer. Oh. Oui, et alors, je ne pouvais pas comprendre pourquoi c'était si important de ce certificat. Mais puis, ils m'ont dit, sans certificat, il était impossible de vendre un appartement, par exemple, de partir à l'étranger avec les enfants, de prendre de nombreuses décisions ménagères. Et surtout, il n'a pas été possible de trouver son proche et d'obtenir au moins quelques informations. Et sans cela, il était impossible de continuer à vivre normal. Mon idée a remonté le grand prix du concours. Et alors, j'ai eu l'opportunité de réaliser ce projet et surtout d'avoir accès à 500 entretiens classifiés dans les archives de la Société de Croix-Rouge ukrainienne. Et c'était le trésor. L'idée m'est venue un an et demi avant la compétition. C'était un matin de printemps frais. J'ai passé la nuit avec une fête chez mes amis et je suis allée au supermarché avant de rentrer chez moi. Un couple très âgé a attiré mon attention. Ils se sont gentiment appuyés pour coller quelque chose sur les portes parfaitement lavées du supermarché dans lesquelles tout se reflétait. Leur vieillesse, leur tendresse et leur tristesse ne me laissaient pas passer. J'ai entendu qu'ils collent l'annonce et soient partis. Après quoi, j'ai pu m'approcher et voir ce que c'était. Un beau jeune homme, en uniforme militaire, me regardait de cette annonce faite maison. Fort, musclé, sûr de lui. Au-dessus, il était écrit « disparu ». Et une description suivait. Taille, couleur des yeux, grande beauté, une cicatrice au-dessus de la lèvre, vêtements. Une description faite par les gens qui connaissaient chaque centimètre de son corps. Apparemment, depuis l'enfance, il se souvenait des grandes beautés et des cicatrices. Il savait ce qu'elle aimait, ce dont il rêvait et ne savait pas maintenant s'il reverrait au moins une fois, s'il était vivant. Cela m'a scié les jambes. Cette histoire m'a tellement touchée que j'ai commencé à réfléchir à la façon de la raconter à l'aide de l'art. Cela m'aide à reprendre mes esprits après des choses pareilles. Et j'ai inventé une histoire avec un labyrinthe de vieilles portes et fenêtres et des parties de maisons qui n'existaient plus. Alors, j'ai finalisé en mise en œuvre. C'était un vrai labyrinthe. Ouais. Avec des impasses. Il a fallu environ 20 minutes pour le passer. Je prends cette. Ouais. Ses dimensions étaient de 26 mètres sur 40. Dans le labyrinthe, sorry, I will use this. Vous ne savez pas quel chemin vous mènera à la sortie. Vous tombez constamment sur les impasses. Cela correspondait à ce que racontaient les familles des disparus qui cherchaient leurs proches depuis les mois. À l'intérieur, on pouvait entendre 40 extraits audio compilés à partir de vrais textes d'interviews provenant des archives de la Société de Croix-Rouge. Le trajet commençait par un long couloir, ici, avec les courts bips sans réponse qui ont rompu avec les mots. Pas de connexion avec le téléphone de votre abonné. Vous le savez comme pip, 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 pas de connexion. Car toutes les interviews, toutes les histoires ont commencé avec ce truc. Qu'on n'arrivait pas à contacter ces personnes disparues. Puis suivaient les différentes étapes que les familles des disparus devaient passer. Au bout, il y avait une sortie et une porte en miroir
qui d'une façon retournait le visiteur au labyrinthe. Car beaucoup de ceux qui ont reçu des preuves de leur mort, de leur mari, frère ou père ou sœur, ont refusé d'y croire et tenté de recommencer tout cela. Ce travail a été montré sur la place Sofievska à Kiev et appelé « Il n'y a pas de nouvelles, mais je ne crois pas », une citation d'une des interviews. Pendant la même période, je suis tombée sur plusieurs photographies de la ville de Dombas et j'ai remarqué d'étranges ornements sur les fenêtres. Quelqu'un m'a parlé de la pratique consistant à coller les fenêtres pour les empêcher d'explorer en éclat lors d'un bombardement. Alors, j'ai décidé de fouiller les archives de photos en ligne et j'ai trouvé cette photo de la Seconde Guerre mondiale. Comme vous pouvez le voir, toutes les fenêtres sont collées de façon différente, et cela m'a étonnée. Face au danger mortel, quand rien ne peut protéger les gens, ils font preuve de créativité. Ces ornements me rappelaient des amulettes archaïques, des talismans protecteurs, et j'ai créé le projet Théorie de la protection, dans lequel j'ai utilisé ces ornements. Pendant la réalisation du projet, on menait le travail auditif ou d'anciennes incantations protectrices ukrainiennes étaient enregistrées. Ce projet a remporté le grand prix du concours pour jeunes artistes, dont l'un des jurés était le curateur berlinois Nadim Saman, qui a tout de même proposé de le montrer à la Biennale des jeunes artistes à Moscou. Ce n'est pas de Biennale, mais alors vous pouvez voir le projet. Oui, alors, il m'a proposé de le montrer à Moscou. C'était 2016. Je détestais l'idée. Je ne voulais pas y aller. Cela faisait déjà une année que la guerre durait et cela faisait déjà une année que la Crimée m'a été volée. Cela faisait déjà une année que mes amis mouraient en défendant l'Ukraine. Je détestais l'idée, comme je vous avais dit, d'aller en Russie. J'étais en colère, je prouvais du mépris. Je ne voulais vraiment pas y aller, mais je voudrais si fort leur rappeler qu'il y avait une guerre. Peu importe à quel point il essayait de l'ignorer. C'était très douteux d'y aller. Je n'étais pas sûre qu'ils laisseraient montrer ce projet de résistance artistique. Je n'étais pas sûre que je me sente en sécurité. J'ai confié toutes mes peurs à Nadim et il a donné ses garanties que le projet sera monté et alors j'ai pris une décision. Sa proposition était très difficile à refuser. Il suggérait de coller les fenêtres de tout l'espace d'exposition de l'immense ancienne usine au centre de Moscou, afin que le visiteur puisse se trouver dans un immeuble aux fenêtres collées. Si les fenêtres sont collées, il y a alors un danger de bombardement. Le projet a été mis en œuvre et est devenu un rappel aux nombreux visiteurs de l'exposition à Moscou qu'il n'y avait une guerre tout proche et que personne ne pouvait être en sécurité, que toute sécurité était fragile, personne n'est protégé. En 2022, quand une guerre à grande échelle a éclaté et quand j'ai quitté l'Ukraine, je voulais vraiment voir plus de solidarité, sentir qui est de quel côté. Car au début, il y avait peu de drapeaux, peu de soutien et beaucoup de doutes dans le monde. Je croyais que nous étions soutenus, mais c'était important pour moi de le voir et de le savoir.
Et puis, je proposais ce projet ma participation à toute l'institution et toute personne qui voudrait rendre sa position visible. C'est facile de coller des fenêtres, c'est pas cher, rapide et reconnaissable. Au début, les Polonais se sont joints à cet appel et pendant un mois à compter dès le début de l'invasion à grande échelle, ils ont couvert les fenêtres et les portes de la plupart de leurs ambassades et institutions culturelles avec des ornements de théorie de la protection. Et au cours de l'année, plus de 250 institutions diplomatiques et culturelles sur les 5 continents ont rejoint le projet artistique qui est devenu une action de solidarité mondiale. C'est une histoire sur la façon dont l'art peut raconter les histoires, faire preuve de solidarité, unir et être une arme de la résistance. L'une des éditions de ce projet est actuellement exposée dans ce magnifique musée. Et merci beaucoup. Et c'est à Bucarest. Alors j'ai un très grand archive de ce projet. Ouais. C'est aussi le projet du 222. Je voulais vraiment travailler avec les vitraux. Ce sont les vitraux. Mais je n'avais pas l'idée que juste en tissu. Et puis, enfin, j'ai une idée que j'ai décidé de réaliser. C'est devenu une continuation de théorie de la protection, comme vous pouvez... Ah, vous ne pouvez voir, pardon. Alors... Le titre de ce projet est « Je le remettrai en poésie si je savais comment ». C'est la citation du texte en anglais. « I would like to put them back to poetry if I only knew how ». Et une citation d'une chanson qui répondait très précisément à la façon dont je ressentais ma vie à ce moment-là. Avant la guerre, je vivais entre deux villes, Kiev et Odessa. J'ai déménagé à Odessa lorsque la quarantaine a commencé. C'était seulement le paradis. Et puis, le 24 février, à 2h du matin, je suis arrivée à Odessa et mon appartement est situé à côté du port maritime. Et ces immenses fenêtres, surtout le mur d'un côté dont la mer donne sur la mer et le port. J'ai rompu avec mon petit ami, j'ai passé une éternité pour le trajet de Kiev. J'étais épuisée avec la route et toutes ces expériences. Je ne croyais pas à la possibilité que la guerre serait commencée, car dans ma conscience, la guerre en Europe ne pourrait jamais avoir lieu dans le monde moderne. Mes parents à Kharkiv n'y croyaient pas non plus. Je suis alors arrivée à 2h du matin. J'ai pris un bain, j'ai lu. Et jusqu'au moment d'aller me coucher, j'ai entendu un bruit très fort. Soit une explosion, soit quelque chose est tombé. Vivre près du port est beau, ouais, mais pas confortable. Pendant la nuit, on organise souvent les déchargements. Et cela peut être très bruyant. J'ai pensé qu'elle avait peut-être fait tomber un conteneur ou une grue. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. J'ai juré, j'ai même pensé que je devais sacrifier cette belle vue et trouver un endroit plus calme. Et puis, je me suis endormie. Le matin, j'ai allumé mon portable et j'ai découvert que la guerre avait commencé. Il est impossible d'imaginer ce que c'est que de recevoir un message de vos parents le matin. La guerre a commencé. Avant que vous n'ayez cette expérience vous-même. Ce n'est pas tout simplement possible. C'est quelque chose d'un passé lointain, des années
je ne sais pas, des années de la guerre mondiale, mais pas du tout de 2122. Pendant plusieurs jours, je n'ai même pas pensé à partir. Je voulais être utile, je voulais rester à Odessa, mais je ne savais pas à qui. Les amis étaient partis, j'étais seule, il n'y avait pas de refuge anti-bombe dans ma maison. Mon café préféré était fermé et c'était catastrophique. Je me sentais laissée, les bords de la mer étaient minés. J'ai fait ma valise alarmante. Ces choses se sont avérées complètement inutiles plus tard. Et je suis partie pour la Moldavie. À cette époque, l'aéroport ne fonctionnait pas plus. Beaucoup se rendaient dans les pays plus éloignés de la Russie. Je ne me sentais pas en sécurité en Moldavie. Quelques semaines et deux pays plus tard, j'ai accepté une résidence artistique en Sicile. Pendant tout ce temps, 20 heures par jour, je faisais tout où je pourrais être utile, sans même me souvenir de l'art. J'organisais des évacuations, j'apportais des médicaments et de la nourriture, coordonnais la rencontre et le logement des réfugiés, des messages contenant les infos sur de nouveaux bombardements arrivaient sur mon téléphone tous les deux ou trois minutes. Mes amis restaient dans des sous-sols ou même pire, sur les territoires occupés. Mes parents, qui étaient allés à la datcha, et ont accueilli encore 10 connaissances dans leur maison conçue pour 5 personnes. Dans leur village, on a fait sauter un pont qui était à l'artère principale, l'artère principale pour la livraison de nourriture, de médicaments et d'autres biens de première nécessité. Alors les gens ont été contraints de pêcher. Ils n'avaient pas de médicaments et un jour, mon père, ayant 75 ans, académicien de l'Académie nationale des sciences, a dit « Alors, j'ai un fusil de chasse. Je peux protéger mes filles, ma mère, ma sœur et ma nièce. Et moi-même, j'ai vécu assez. » Et alors, j'ai compris que j'allais manipuler, pleurer, jurer, menacer, négocier, tout, jusqu'à ce que je sache qu'ils sont en sécurité. En général, ma vie a beaucoup changé. Bientôt, ils sont partis et c'est une autre histoire qui vaut une soirée autour d'une bouteille de vin, peut-être deux. Alors, l'art. J'ai regardé l'histoire se dérouler à travers les vitres. Les gens restaient chez eux. Les vidéos de bombardements, d'incendies, de tirs apparus sur l'Internet ont été filmées par des témoins oculaires à travers des fenêtres de leurs maisons et appartements, à travers les ornements protecteurs collés dessus. Et puis le projet Théorie de la protection a reçu la suite. Le monde a changé, le monde à travers les fenêtres a changé, je devais en parler. Ici, chaque partie, mesurant 100, alors, il est grand, représente un sujet précis et un moment précis de la journée. Matin, et les fenêtres fusillées. Jour, et un feu à travers la fenêtre. Le ciel est couvert de fumée. Soirée, et les explosions contre le ciel coloré par le soleil couchant. Nuit, et le bombardement au phosphore. Je n'ai pas accidentellement divisé le sujet en 4 parties de la journée. Le fait est que les fenêtres ne sont pas seulement devenues les écrans vers le monde extérieur, aidant à apprendre les événements, mais aussi à connaître l'heure et les météos, par exemple.
Il n'y avait parfois pas d'électricité pendant longtemps. Les portables se déchargeaient. N'ayant pas de possibilité de savoir quelle heure il était, les gens n'étaient guidés que par la lumière du soleil à travers les fenêtres. Alors la journée s'est décomposée en quatre parties simples. Lever du soleil, jour, coucher du soleil, nuit. Et c'est les bombardements phosphores que vous voyez dans le phare. Ouais. Après cela, il était encore deux autres projets de vitraux. Je vais vous parler de l'un d'eux. Seules les couleurs survivront. Chaque fragment ici représente un passage spécifique de l'Ukraine. Ici, il y a une vidéo. On fait comme ça. Ouais. Alors, chaque fragment ici représente un passage spécifique de l'Ukraine qui est en danger ou au bord de l'extinction à cause de la guerre. Champs de blé qui a par le feu, champs minés de ma région natale, Slobozhenchina, broche de Kimbourg, la réserve nationale avec des champs d'orchidées sauvages et des troupeaux de chevaux sauvages soufflés par des mines, Carpates, forêt rouge de Tchernobyl, sable d'Oleschki, l'un des plus grands déserts de l'Europe, steppe de Crimée, les fabuleux lacs roses de Kherson. De nombreuses forêts, et surtout la forêt d'Oleschki, dans la zone d'occupation, où les Russes n'ont même pas laissé passer les pompiers, et les montagnes de lavande. Je ne sais pas si ces endroits survivront. J'ai envie d'y croire, mais je ne suis pas sûre. Mais les couleurs et les compositions resteront sûrement dans ma mémoire, pour toujours. Et encore, les odeurs et les sons. La façon dont le projet est présenté rappelle des vues qu'on voit par les fenêtres lorsqu'une voiture, un train ou un bus vous amène loin de chez vous à grande vitesse. Il est impossible de voir les détails, seulement les couleurs et les bandes. Mes larmes seront moulées en balles. Personne ne m'a appris à ressentir la guerre. Je n'ai été donc figée pendant plusieurs semaines. Ma perception m'a joué d'étranges trucs. J'ai pris un passant éclairé par un feu rouge pour une personne blessée, par exemple. J'ai vu un handicapé avec un moignon dans un mec sur un skateboard avec une main cachée derrière le dos pour l'équilibre. Je ne communiquais presque pas. Et en ce qui concerne l'essentiel, tout ce que j'ai pu dire, exprimer, je faisais avec l'art. Pendant quelques mois, j'ai créé sept projets différents et quatre expositions personnelles. Alors, j'ai travaillé beaucoup. Et je n'ai presque jamais pleuré. J'étais très, très furieuse. Je comprenais que je devais pleurer, mais ce ne m'arrivait pas. Et puis, un jour, j'ai réussi à pleurer. J'ai vu comment ma ville natale était bombardée et je n'ai pas pu contenir mes larmes. J'étais assise dans un petit café sicilien et les larmes gardées pendant plusieurs mois coulaient sur mes joues. Une bombe tombait sur ma maison et les larmes coulaient comme une rivière, en rétablissant ma sensibilité. Je ne me souviens pas combien de temps j'ai passé comme ça, mais je me souviens de la phrase qui a coulé avec les larmes. Nos larmes seront transformées en balles. Je l'ai rencontré quelque part auparavant, mais à ce moment, je les appris de ma propre expérience. Mes larmes seront moulées en balles. Et puis, j'ai eu l'idée du projet que j'ai nommé jusque comme ça.
Ce sont des balles en verre en forme de larmes qu'on fait de la glace. J'ai eu l'idée de créer une grande sculpture avec elle et maintenant j'ai en phase de réalisation. Il s'est avéré qu'il n'était pas si facile de travailler le verre pendant la guerre. Tous mes projets pour lesquels j'ai besoin d'assistance, je crée par principal en Ukraine aujourd'hui, en soutenant les artisans locaux. C'est dur, c'est long, c'est cher, mais c'est important et je suis contente de pouvoir le faire. Et le dernier projet pour aujourd'hui, c'est la performance berceuse. La performance occupe une place particulière dans ma pratique. Pour moi, c'est toujours une pratique rituelle, tout de même la mienne, mais à laquelle le public peut aussi s'impliquer. Une fois, j'ai perdu un enfant au début de la grossesse. Pour moi, cela a été un gros traumatisme que j'essayais de surmonter pendant longtemps. En Ukraine, depuis le début de l'invasion, à grande échelle, selon les chiffres officiels, plus de 450 enfants ont été tués. On ne sait pas dans quelle mesure ces chiffres augmenteront lorsque toutes les stratégies de l'occupation seront connues. D'abord, il n'y avait aucune information sur les victimes parmi les populations civiles, parmi les militaires pendant longtemps. Le seul chiffre que nous avons été les morts d'enfants. Je lisais constamment, comment ces chiffres augmentaient. Pas de nom, presque pas d'histoire, juste des chiffres. 10, 20, 70, 260, 310, etc. J'ai senti qu'il ne devait pas en être comme ça. Qu'un enfant, sa vie étant même si courte, ne peut rester qu'un chiffre sans âme. Et puis j'ai décidé de créer le projet Berceuse, dans lequel je mène un rituel. Dans toutes les cultures, on a toujours pratiqué le rituel de naissance et de mort. Ce travail est un tel rituel où chacun chiffre se transforme en une petite sculpture d'argile. Je matérialise donc chaque chiffre. Je rends hommage ainsi. Je chante la dernière berceuse. Je fais adieu et lâche prise. Ce projet va durer jusqu'à la fin de la guerre comme mon engagement, mon rituel. Parfois, une performance dure 3 heures, parfois 8 heures, parfois 10 heures. Parfois, je le montre dans un lieu d'exposition, parfois dans un espace public. Souvent, les gens viennent, s'assoient par la terre et traversent leur histoire. Et partagent les histoires des autres, pleurent. Puis souvent, se lèvent et repartent sans un mot. Dans les performances, je ressens toujours un lieu profond avec le public, comme si nous créions un espace d'expérience commun. C'est très précieux pour moi. Et ici, il y a la vidéo. Alors, la vidéo avec le son, et je veux lui le présenter.
Alors, je pense que c'est ainsi que l'art fait guérir l'artiste et le spectateur à la fois. La poétesse ukrainienne Katerina Kalitko a écrit « Femme, voilà la parole, tire avec elle. Je n'ai pas choisi de faire les guerres, je n'ai pas choisi de rester en Ukraine, mais j'ai choisi de raconter les histoires à travers mon art. C'est ma parole, ma méthode de rechercher et mon arme. Merci beaucoup. Ouais. Ben, merci beaucoup, Daria, pour cette présentation riche et émouvante sur l'art, la résilience, la liberté, la résistance. Et maintenant, j'espère que vous avez des questions à poser à Daria. Vous pouvez les poser en français, en anglais, on est là pour traduire. Ukrainien. Vous n'avez pas de questions. Merci. Si vous n'avez pas de questions... Ah, si, Barbara. I would like that in English, so everyone could understand, but I also can ask this in Ukrainian. When you were talking about your windows with the tape on, I got the idea and the image of Chinese windows, Chinese paper windows. Do you have maybe some connection with that? And do you see some similarities? Because in Chinese culture, these windows are also really different, and all patterns has different meanings and different symbols. I'm going to translate maybe just. Donc c'est, je me demandais si, quand j'ai vu la théorie de la protection avec les motifs en scotch, il y avait quelque chose à voir avec les panneaux chinois de fenêtres et les paravents, avec à chaque fois des motifs particuliers qui ont une signification particulière. Thank you very much for the question. Well, actually, I have no clue about this Chinese practice, yeah, or I'm out of the context, and I'm quite surprised because Japanese and Chinese art was one of the main subjects of my BA project. So, but no, there is no connection actually. No, for me, this project, it's about the fragility. From the beginning, it was the project about the theory of protection that didn't work. But after, in 2022, like last year, all that windows appeared in Kyiv or in Kharkiv. And I was shocked because before that, I found a lot of articles, like in the USA, for example, that don't do that, don't tape, because it could be even more dangerous. But they didn't tell about war, they told about like climate catastrophes. And when war came, I understood that it still works. And that's so strange that, you know, like, I mean, taping windows could be something used to
protect my life. I don't know. For me, it's absurd. And for me, it's the way to emphasize the ultimate fragility of yesterday's reality, of all guarantees, of, you know, everything that we believed to be real, yeah, turned out to be theory that failed facing reality. I mean, institutions don't work. I mean, international institutions, yeah. So that's about that, yeah. But I'd love to make another research on the Chinese practice. Thank you. Donc, non, ça n'a aucune connexion avec cette pratique chinoise que je ne connaissais pas. C'est surtout un travail sur la question de la fragilité et sur le rapport et la comparaison entre une théorie de la protection face à une réalité, à cette façon dont on peut croire à la réalité comme étant une garantie de sécurité, quelque chose d'immuable, et qu'on essaye de façon absurde de protéger, alors qu'on sait très bien que c'est assez vain comme geste. Et j'étais intéressée par savoir que ce geste de protéger l'intérieur des maisons en scotchant les fenêtres était quelque chose qui était débattu aux États-Unis avec des théories où on disait que ça pouvait être même pire et non pas protégé, mais au contraire blessé. Mais en fait, tous ces débats étaient intervenus à un moment donné où il était question de la protection par rapport à des phénomènes climatiques, mais pas la guerre. Et puis la guerre est arrivée et on a scotché les fenêtres avec ce geste absurde qui pourtant nous semblait nécessaire. And sorry, and actually also I like it because it's very simple and cheap. I mean, it costs almost nothing. I don't know, maybe not nothing, but but with this project we can bring the discussion about the war anywhere, because you know, when you come across this window, you really feel that war could be very near. Actually, the world is small. That's what I understood after the large scale war started. Like, yeah. Thank you. Ce que j'apprécie avec ce projet, c'est sa simplicité dans la mise en œuvre, le fait que ce soit pas cher et en même temps terriblement efficace. Quand on pose ces scotchs sur les fenêtres, on sent que la guerre peut arriver et que le monde finalement est tout petit. Bon, ben, on va peut-être arrêter là. De toute façon, si vous voulez discuter avec Daria, on va juste aller un peu plus loin jusqu'au café. Et puis, ben, merci à vous tous pour cette soirée. Et jeudi prochain, on accueille une projection qui s'appelle Nets Island, d'un collectif de Guillaume Cos, Sekiem Barbier et Quentin Lelgouache. Voilà, donc à jeudi prochain. D'accord.